La police suisse écarte la piste terroriste dans la tuerie qui a fait 5 morts samedi soir à Würenlingen, dans le nord du pays. Au lendemain du drame, l'enquête s'oriente vers un drame relationnel, selon les termes employés par les forces de l'ordre. En arrivant sur les lieux, après avoir été alerté d'une fusillade par des voisins, la police avait découvert les 5 corps dans 2 maisons de cette commune du canton d'Argovie. Les identités des victimes et du tireur n'ont pas été révélées. Selon les enquêteurs, l'auteur des coups de feu est un Suisse de 36 ans qui s'est donné la mort après avoir abattu ses beaux-parents, son beau-frère ainsi qu'un autre homme qui vivait dans une maison voisine. Le meurtrier était un père de famille qui vivait séparé de sa femme et ses 3 enfants et qui était déjà connu par les services de police pour des faits de violence. La police avait effectué une perquisition au domicile du meurtrier en 2015, mais n'y avait trouvé aucune arme.